travailler en histoire les chiffres romains. En histoire, on utilise les chiffres romains pour indiquer les siècles. Les chiffres romains s'opposent aux chiffres que nous utilisons dans notre quotidien, les chiffres arabes. Mais on en reparlera en deuxième partie de cette vidéo. Les chiffres romains sont en fait des lettres. Il y a 7 chiffres ou lettres de base à connaître. I égale 1, V égale 5, X égale 10, L égale 50, C égale 100, D égale 500 et M égale 1000. C'est la base à connaître par cœur. Pour construire les chiffres romains, voici les règles. Tout chiffre placé à droite d'un autre plus grand que lui s'additionne. VI, c'est V plus I. I est plus petit et il est à droite, donc on l'additionne. V égale 5 plus I égale 1 égale 6. Même chose pour XV. X plus V, donc 10 plus 5, 5 est plus petit et à droite. On l'additionne à 10, ce qui donne 15. Encore un exemple. LX. L égale 50 plus X égale 10, qui est plus petit et à droite. On additionne donc 50 plus 10 égale 60. En résumé, plus petit à droite égale l'additionné. En revanche, tout chiffre placé à gauche d'un chiffre plus grand que lui se soustrait à ce chiffre. Par exemple, IV, c'est V avec un petit I placé à gauche, donc que l'on soustrait. V égale 5 moins I qui est égal à 1 égale 4. Autre exemple, IX. X c'est 10 et le petit I qui est égal à 1 est à gauche, donc on soustrait 10 moins 1 égale 9. Dernier exemple, CD. D égale 500, C égale 100. Comme le petit est à gauche, on soustrait 100 de 500, ce qui donne 400. En résumé, plus petit à gauche égale le soustraire. Attention, la valeur soustraite est toujours représentée par un seul chiffre. Par exemple, 8, c'est 5 plus 1 plus 1 plus 1, et non pas 10 moins 1 moins 1, ce qui ferait une soustraction de deux symboles i. Il est important de se souvenir qu'un même symbole ne peut pas être utilisé plus de 3 fois de suite. Pour écrire 4, on ne peut pas faire 4i. On va donc faire 5 moins 1. Comme on soustrait, on place le 1 à gauche. Il y a une exception avec le m, donc 1000. On peut écrire 4000 avec 4m. On commence par apprendre seulement les 21 premiers chiffres romains, car ce sont eux qui sont les plus utiles en histoire. Pourquoi ? Parce que nous sommes au 21e siècle, 10 plus 10 plus 1, mais les siècles, c'est pour une autre vidéo. Les nombres qui posent souvent problème quand on apprend les chiffres romains, ce sont ceux qui utilisent 4 ou 9, par exemple. Mais il suffit de savoir que 4, c'est V moins I, le I est placé à gauche du V, I, V. 14, ce sera X, I, V. 24, X, X, I, V. 9, c'est X moins I, donc I placé à gauche de X. Quand on débute, le chiffre 19 est sûrement le plus dur. 19, ce n'est pas 20 moins 1, c'est 10 plus 9, soit X plus IX, donc X, IX. Il y a des habitudes à prendre. Une fois qu'on a compris le truc, ça devient tout simple, mais il faut un peu s'entraîner. On utilise encore les chiffres romains de nos jours, par exemple en histoire, pour l'écriture des siècles ou quand un roi, un pape, porte un numéro après son nom. On utilise les chiffres romains dans d'autres domaines, par exemple pour les numéros de chapitres d'un livre, ceux des actes au théâtre. On en voit aussi sur les cadrans des montres, comme inscriptions sur des monuments, etc. Dans l'histoire, les chiffres romains vont progressivement laisser leur place à ceux que nous utilisons aujourd'hui, les chiffres arabes ou indo-arabes. Ils portent ce nom car ce sont les Arabes qui les ont repris des chiffres indiens très anciens, les ont modifiés et utilisés dès le 8e siècle environ. Ils se diffusent en Europe dès le 10e siècle car ils sont beaucoup plus pratiques que les chiffres romains en mathématiques ou dans le commerce. Les chiffres indo-arabes remplacent donc progressivement les chiffres romains, mais cela va prendre du temps. C'est avec la Renaissance, période qui suit le Moyen Âge et que l'on situe vers 1400-1500 selon les régions d'Europe, que les chiffres indo-arabes s'imposent.
Leur style a changé au fil du temps et les chiffres que nous utilisons aujourd'hui sont différents des chiffres actuels de l'écriture arabe. Attention, à partir de ce moment de la vidéo, on passe au niveau pro des chiffres romains. Voici quelques éléments supplémentaires pour tout maîtriser. On peut utiliser une astuce mnémotechnique pour se souvenir de tous les chiffres romains par ordre de valeur. C'est cette phrase. Il vexe le commun des mortels. Voici pourquoi. Ne soustrayez jamais V, L ou D. Pour écrire 15, on fait XV et pas 10 plus 10 moins 5. Sachez aussi qu'on ne peut pas soustraire à un chiffre une valeur qui est plus de 10 fois plus petite que la valeur totale de ce chiffre. Par exemple, pour 99, ce n'est pas 100 moins 1 parce que 1 est plus de 10 fois plus petit que 100. On n'écrit donc pas 100 moins 1, mais 90 plus 9. Même chose pour 49. Ce n'est pas IL, car 1 est plus de 10 fois plus petit que 50. Donc on écrit 40, donc 50 moins 10, plus 9. Décomposez un nombre en plusieurs parties pour pouvoir en calculer la valeur. Commencez toujours par identifier les soustractions, qui vont constituer chacune un groupe de deux chiffres romains. Par exemple, essayez de lire le nombre MCCXCIX. Vous pouvez identifier deux soustractions. XC et IX. Le nombre se décompose de la façon suivante. M plus C plus XC plus IX. La valeur de ce nombre romain correspond à l'addition de 1000 plus 100 plus 100 plus 90 plus 9. Cela donne 1299. Quand un chiffre romain est surmonté d'une barre, vous devez le multiplier par 1000. Mais il faut faire attention de ne pas mal interpréter les barres, car certaines personnes les utilisent de façon décorative en les ajoutant au-dessus ou au-dessous de chaque chiffre romain. Mais sinon, un X surmonté d'une barre équivaut à 10 000, 10 fois 1000, et au-dessus du M, cela équivaut à 1 million, 1000 fois 1000. Les Romains utilisent aussi d'autres symboles comme une sorte de parenthèse pour représenter de grandes valeurs ou un point au milieu des chiffres pour multiplier. Mais apprenez déjà les 21 premiers chiffres romains.